Coucou, c'est Patty. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'étais en train de faire une page sur mon junk. Comme ça, là. Et je voulais faire une pochette. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire avec les copines. Donc, on récup, c'est du papier d'emballage cadeau, hein, quand on envoie les paquets. Il me reste un bout de papier, donc je fais une pochette. J'ai fait des petites bandes et ferrouillées, enfin que j'ai récupérées, hein, que j'avais déjà. Ensuite, j'ai fait mes petits boulons. Mes petits boulons comme ça, là, avec de la canette, hein, de soda. Vous voyez ce que ça donne? Donc, sur ma pochette, je vais faire du tamponnage. Je vais faire du tamponnage. Je vais faire un fond. Faire un fond mûr. Voilà. Avec la Versafine clair gland. Hop. Donc, je vais mettre ça à peu près, ben là. Un côté mur là, de ce côté-là, essuyer ce côté. Ici. J'ai pas été assez loin. Bon, c'est pas grave. Voilà. Pour mon fond. Ensuite, j'ai dit que j'allais coller mes petites languettes. Désolée, j'avais envie d'éternuer. Donc là, je vais coller ça là. Colle ici. Autre là. Sais pas quel temps vous avez, alors nous, on a un vent. Ça va pas, on s'arrange au moins. L'été indien, on n'a pas cette année. Hein. Donc, je colle. De façon à faire une comme un cadre photo, hein. Ensuite, je colle ce côté-là par-dessus. Ne me trompe pas de côté. Toujours en récup, hein, toujours dans la récup, les petits morceaux qui me restaient. Hein.
celui-là par-dessus. Je vais mettre dans ce sens-là, j'y verrai mieux. Très facile à faire. S'il y a des petits bouts qui dépassent, on les coupe après. Voilà. J'ai fait une marque. Et puis j'en remets en plus. Donc mes petits boulons, on les colle sur les quatre coins. On en met un là. On en met un ici. Ah, pas tenir celui-là. Pourquoi? On va mettre celui-là au bout. Celui-là en haut. Oui, la canette, elle marche bien, même sur les petites pièces. J'avais peur que ça fonctionne pas, mais si. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais faire du tamponnage. Je vais tamponner un arbre. Ici. Avec la pomme de pin. Plus foncé que l'autre. Donc, je vais le mettre, parce que j'avais fait une découpe de ça, là. Et je voulais la mettre. Si je le mets là. Oui, je vais le mettre là. Hop. On appuie bien. Tac. On nettoiera ça après. Là, ma petite pierre tombale, je vais la mettre. Ici. Mais. Faut pas que je réfléchisse, sinon je mets trois plombes. Je la mets là. Ensuite, j'ai fait une étiquette. Je vais coller là.
Mais avant, je voudrais mettre. Je voudrais mettre, parce que je vais mettre mon étiquette ici. Celle-là, elle est plus courte, je crois. Je vais y mettre une petite chauve-souris. Elles sont où? Elles sont là. Petite chauve-souris de deux dimensions. Hop, je vais la mettre en noir. Je prends laquelle? Je prends celle-là. Je vais la mettre là. Ah, ça y est, j'en ai plein les doigts. En mettre une ici. Ensuite, je mets mon étiquette. On va déjà fermer ça, j'ai bien posé la main dedans. Là, je vais la poser par rapport à ça. Je vais la poser ce côté-là. Ah, ah, ah. Mais ça va pas aller. Moi aussi, ça va aller. De la colle ici. On pose l'étiquette là. Et ça bouge. Je vais mettre quelque chose pour pas que ça prenne. On va mettre ça, tiens. Hop. Ensuite, je vais mettre quoi moi à côté là? On sait rien ce que je vais mettre. D'araignée, une petite là, pas terrible celle-là, hein. Celle-là va être trop grosse. On va essayer. Ce sont que des tampons Globeland. Moi j'aime beaucoup ces tampons. Écoutez, ça a l'air d'aller là. Est-ce qu'elle va là? Non, on va aller là. La faire. Non, pas si clair, sinon on va pas la voir.
En ce moment, je suis dans mon rangement, dans ma récup. Va la mettre comme ça là. Je vais enlever ça, sinon ça va faire. Ici. Hop. Ça vient ici. Est-ce que j'ai une araignée? Une araignée, je veux une araignée. Une araignée, j'en ai une toute petite ici. J'aurais peut-être dû la faire en noir. Je vais la faire en noir. Je vais la mettre comme ça là. C'est une petite pochette toute simple, hein. Mettre ici. On va faire quelle couleur elle. On va faire en noir aussi. Une petite tête de mort. Juste là. Un petit crâne. Et là, je refais une petite araignée, j'aime bien, elle est fine. Je remets une ici. Hop. Voilà. Ce que ça donne. C'est tout simple. On récupère notre petit papier là. Bon, on peut renforcer derrière. Hein. Et là, je pourrais mettre ici en travers. Halloween. Allez hop, tiens, puisque j'ai une étiquette qui traînait. On met Halloween en travers ici. Là. Maintenant, bah, je vais prendre mon Jack. Que je range tout ça après. Cela, c'est le bazar, le bazar, le bazar. Ici. Et je vais poser ça là. Ah bah j'en avais mis un là. Mais je vais coller ça là. Bien sur les bords. S'il n'y en a pas bien sur les bords, ben ça se décolle. Et là, je vais poser ça. Ici. Enfin, j'arrive à le terminer, moi, parce que 2-3 pages à faire. Donc, ça se colle bien par rapport à ma page derrière. On est bon.
un peu là. Ça déborde un petit peu. Oh bah tant pis, c'est collé. Voilà, ma pochette est faite. Bah, on peut mettre pas le taille parce que c'est trop grand, ça va me cacher tout. Bah, on peut mettre une ATC. On soulève. Là, on met une ATC. On met ce qu'on veut, quoi. Hein. Voilà. Ce que ça donne. C'est terminé. Donc là, j'avais commencé à refaire un. Là, pareil, hein, j'ai fait des tamponnages. Là, derrière, je sais plus ce que j'ai fait derrière. Là, j'ai rien fait. J'en avais déjà fait une, hein, une petite pochette. J'ai fait ça. Je récup, hein. On peut la poser là. Je la pose ici. Puis on fait juste une page Halloween. J'en ai fait une comme ça. Voilà, simplement du papier effet rouillé. Hein. J'ai fait une vidéo là-dessus. Ben vous décorez votre pochette comme vous voulez. Hein. Voilà. Donc là, j'ai fait un fond, un tamponnage brique. Là, j'ai pris celui-là. Après, j'ai mis un arbre. J'ai découpé mon rip là. J'ai fait une toile d'araignée. D'accord. J'ai mis un petit chat, une tête de mort, des chauves-souris. Là, j'aurais pu en mettre, chauves-souris. J'aurais peut-être pu en mettre une. Est-ce que j'en ai une? Ça, c'est une araignée. Ouais. Bon, j'ai envie de le laisser comme ça. Voilà pour aujourd'hui. C'est une petite vidéo pochette. Donc là, c'est avec des papiers pour envelopper les paquets. Hein. Je les jette pas, je les garde. Là, bah, j'en ai fait une pochette là, mais avec du papier vieilli au café. Voilà. Derrière, j'ai mis un bout de papier de récup. Hein. C'est pour consolider. Et puis, j'ai plus qu'à la décorer. Voilà pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et vous dire à bientôt. Bisous, bisous.